Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 5 de Déco Paysage sur Minecraft, où je vais vous montrer un petit peu les avancées. Alors, il y a un zombie là, si je peux. Il tombe comme un con, voilà, fais-toi tes dégâts. Hop, je récupère du verre, on va profiter que le four est chaud pour faire cuire un petit peu de pierre, hein. Ça sera toujours ça de fait. Alors là, donc, j'ai remplacé le champ par une un champ de patates. J'ai été dans un marais, j'ai réussi à récupérer ça. Enfin, j'en ai pas qu'un. Hein. J'ai modifié un petit peu, je commence à faire ma salle des coffres. Là, en fait, c'est un passage qui mène directement ici. Pas forcément très utile, mais bon, on sait jamais, ça peut servir. Donc là, c'est les nouveautés ici. Comme ça, ce sera fait. Donc, quand j'étais dans le biome marais, je savais qu'il y avait des slimes là-bas. Donc, pendant une nuit, j'ai chassé du slime. Ça a été très tendu, vraiment très, très tendu. Mais il fallait absolument des slimes pour faire des laisses. Parce que, dans l'abri à chevaux, eh ben, je vous le donne en mille, il y a un canard. Non, c'est pas ça, il n'y a pas de canard. Il y a un cheval. Voilà. C'est hyper joli, ça. Un petit cheval apprivoisé. Alors, celui-là, franchement, j'ai vraiment galéré à le ramener. Parce qu'il était à plus de 2000 blocs de la baraque. Hein, et alors, lui, il va me faire chier. Oh, il a un arc enchanté en plus, le con, là. Allez, reviens là. Je sais pas pourquoi il tourne en rond comme ça. Il tournait de plus en plus vite ou quoi? Ah, le salaud, il m'a pas laissé son arc. Dommage. Donc, j'ai fait aussi s'accoupler quelques vaches, j'ai quelques poules. Bon, les poules, franchement, c'est pas ce que je kiffe utiliser. Lui, il somnolait. Un vrai zombie. Voilà. Un petit peu d'XP, hein, toujours. Je sais pas trop si je vais m'en servir ou pas. Parce que pour l'utiliser, il faut enchanter ses armes et tout. Donc ça va demander beaucoup de temps. Sinon. Oh, un creeper là-haut. Sinon, bah voilà. J'ai placé en fait les premières planches pour donner on va dire la forme au pont. Ça m'a pris un petit peu de temps aussi, ça, parce que bon, il y a une grande distance, il y a, je crois, 50 cubes à peu près. C'est 49 ou 50 cubes. Je crois que c'est 50. Ouais, c'est 50. Ouais, enfin bref. Oh, qui c'est qui me tape encore? C'est lui, bon. Encore avec un arc enchanté. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont cheatés aujourd'hui, les bestiaux là. Alors, j'ai avec moi ce qu'il faut pour continuer le chemin. Le chemin qu'on entrevoit à peine là-bas. Mais il me faut aussi des planches. J'ai oublié de les prendre. Hop. Les barrières. Ah, puis je vais me faire aussi encore un petit peu de portes. Pas ça. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les bâtons avec moi. Normalement, il y a l'établi là-haut. Là, il n'y a plus rien. Je peux déposer ça. J'ai récupéré aussi quelques diamants. J'ai été miné un petit peu. Hein. Ça va pas très très loin tout ça, mais c'est toujours mieux que rien. Allez, on va s'attaquer à ce chantier. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Une araignée maintenant. Mais c'est quoi ce bordel? Décidément, ça devient dangereux par ici. Hein. Avec le creeper ici, normalement il va pas pouvoir remonter. Alors, en off, il y a un creeper qui est venu me faire péter le champ. Alors j'en ai profité pour mettre des patates un peu partout. Sans patates, des patates, des patates, des patates et des patates. Ouais, voilà, il est établi. Allez, arrêtons le délire et construisons un petit peu tout ça. Alors je le fais de 4 de large. Ça me permet, comme ça, de pouvoir poser les barrières sur le pont. Et puis, ça me permet surtout de faire un pont qui soit large et agréable. Parce que la passerelle là, elle est pas très large.
En même temps, elle est pas grande, donc c'est moins gênant, mais là, comme c'est un pont qui fait quand même 50 cubes de long, j'ai quand même envie que ça ait un petit peu de gueule, quoi, un peu de prestance. La moindre des choses, bordel. Non ? C'est génial, j'ai l'impression que je parle du nez. C'est mieux que de parler du cul, comme dirait Toto. Mais bon, blague à part, terminons ce pont. Hop. Voilà. Vous remarquez que je me tais, donc ça montre que je me concentre à mort pour faire des demi-dalles sur le mon pont. Hop. Hop. Me dis pas que j'en aurai pas assez. Oh putain, va falloir que j'en refasse. Bon, ben voilà. Bon, alors tant que je suis là, je vais poser les barrières quand même. Je vais pas les poser jusqu'au bout parce que je sens que ça va m'emmerder. Ouais, je vais devoir poser des demi-dalles ici aussi. Je ralentis pour la fin. Ah bah, voilà, j'ai plus de barrière. Et hop, alors du coup, ouais, je vais descendre par là. Parce que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ici. Est-ce qu'il faut que je termine avec vous? Alors, du coup, ça pas besoin, ça besoin, ça, ça peut être utile, et ça aussi. Alors, ici, on pose un bloc comme ça. J'ai pas de pelle avec moi. Bon, tant pis, on va tout faire à la main. Ça va pas être très long non plus, mais bon. Faut le faire. Hop, hop, hop. Et j'envisage. Alors attention, ben, j'envisage. J'ai rien fait. Pourquoi j'ai retiré ça? Pourquoi j'ai creusé comme un con là? Bon. Je fais des actes insensés des fois. On va terminer l'escalier en une traite, ce sera mieux que avec un mini palier avant d'atteindre la dernière marche. Voilà. Oui, donc j'envisage ici de construire une maison plus ou moins troglodyte avec le granit, avec le grès, avec les choses là. Ah oui, il faut que je creuse ça. Hop, hop, et hop. J'aurais dû me faire une pelle. Quoique, oh non. Voilà. Un beau petit escalier. Et là, ouais, faut que j'avance dans le vide un petit peu. Alors pourquoi je l'ai pas mis ici? Parce que déjà ça me fait creuser la montagne. Et ensuite de ça, comment dire? Je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, c'est peut-être mieux de le faire passer là en fait. Non? J'avais prévu de mettre un muret ici, mais finalement ça va me faire poser énormément de cubes. Ça va pas être terrible. Ouais, je vais le faire là. Hop. Alors par contre, va falloir creuser un petit peu à la main. Bah oui, hein. Ne jamais se balader avec une pelle. Forcément. Ça nous fait faire ce genre de choses. Hop. On déblaye bien. Hop là. Petite frayeur. Ah ouais, voilà pourquoi. Va falloir que je mette des cubes ici. Bon, c'est qu'un détail. De toute façon, faut que je retire de la terre encore.
Hop. Voilà. Fin de l'histoire. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, ça nous fait la plateforme. Impeccable. On va combler ça vite fait. De la terre. Moi j'ai toujours les sentiments, alors ils y sont pas à l'enregistrement, mais moi je les vois, c'est franchement désagréable. Je sais pas pourquoi j'ai les sentiments, je les ai aussi avec le pack de texture de base, donc c'est pas le pack de texture. Et j'ai regardé les options graphiques, j'avais le VBO, alors je sais pas ce que c'est, la synchro verticale, j'ai essayé de désactiver ou de réactiver les options, ça change rien, strictement rien, donc c'est assez chiant. Parce qu'en fait, j'ai l'écran qui scintille des fois. Alors, des fois, il me le fait pas du tout. Merde, j'aurais dû laisser la torche. Mais des fois, il me le fait, mais 50 fois en une seconde, quoi. Donc, c'est vraiment très chiant. Voilà. Hop. Et j'ai encore de la ressource pour emmener la barrière ici. Je ne pourrais pas la faire venir comme ça, si. Ça me motive pas trop. Ah, par contre, ça. Non, pas ça. Ça, voilà. C'est plus ozo, plus joli. Hop. Et comme ça, on a fait un joli petit chemin. Hop. Hop. Donne-moi ce bloc de terre. On va reboucher un petit peu parce que ça, je sens que ça va un jour me faire chier. Avec un creeper ou un zombie qui va tomber avec moi dans le trou, c'est pas terrible. Donc nous disions qu'il manquait des barrières et puis aussi des demi-dalles. Alors pour les barrières, normalement, j'ai ce qu'il faut sur moi. J'ai ça, j'ai ça. Je vais en prendre d'avance aussi. Et puis pour les demi-dalles, il m'en faut un petit peu. Hop. Ça, j'en ai plus besoin du coup pour l'instant. Je verrai après pour faire le chemin proprement. Monter, descendre, monter, redescendre, remonter, redescendre. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Il va falloir que je m'aménage un chemin ici. Pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai cru que c'était un zombie qui écartait les bras. La peur du zombie. D'ailleurs, je risque de ne pas être très tranquille ici. Parce que, tout simplement, la nuit commence à tomber. Tout faire en middle. Hop. Voilà. On va grignoter un petit truc. Ça fait vraiment bizarre, hein, le nuage qui passe comme ça et qui coupe la source d'eau en deux. Ouais, j'aurais pas assez de barrière là. N'empêche que ça donne une belle vue hein, d'ici. Moi j'aime bien. Je trouve que ça commence à donner quelque chose de bien. Faudra que je m'attaque aussi au barrage là-haut. Mais plus tard. Hein, parce que entre deux vidéos, j'ai beaucoup miné, j'ai beaucoup exploré. Et j'ai aussi coupé quelques arbres, mais j'ai pas récupéré assez de ressources encore. Voilà. Ce que je vais faire, hop, je vais placer une torche ici,
Voilà. Enfin, non, je vais pas les placer ici exactement. Putain, ils vont me faire chier ceux-là. Les frères si à moi. Comment ça, il me shoot quand même? Salopard, tu détruis mon champ, toi. Tu détruis mon champ. Aïe. On va remanger un petit coup. Parce que la vie n'en remonte plus. Putain, mon champ. Voilà, voilà. Il m'a ruiné mon champ. Merci. Bravo. Je ne vous félicite pas. Félicite. Prends à parler. Mais non, je voulais pas poser un cube là. Oh, bah maintenant, l'inzonzon. Je vous l'avais dit qu'on serait pas tranquille ici. C'est bon, je peux continuer. Oula. Pardon. Hop. Alors, il va me falloir quelques planches comme ça. On va placer ça au centre. Une quinzaine, ça devrait le faire. Hop. Et puis c'est bon, normalement. Alors pourquoi j'ai pas mis les torches ici? Parce que voilà, je vais placer ça là. Ce sera plus joli comme ça. Oh putain, j'ai encore pas assez de la machine. Bon bah c'est pas grave, hein, hop. Ah oui, il fallait que je fasse aussi des demi-dalles pour mettre les trucs en dessous, enfin les barrières. Je me comprends, les trucs. Voilà, pour l'instant ça devrait suffire. C'est pas assez ça. C'est pas assez, on va en faire avec ça. Voilà. Plaçons les torches sur leur support, c'est toujours mieux. Alors, hop, 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 hip, et puis voilà, tout ça pour ça. Évidemment, comme je n'ai pas de hache avec moi, hop, faut que je casse le truc à la main. Et je n'ai toujours pas assez de matos. Ça me fait chier de devoir revenir en arrière, refaire des trucs et tout. Le temps que je perds à vouloir limiter le nombre d'objets que je fabrique avec moi et que j'emmène. Bon alors, au niveau des barrières, c'est bon. Au niveau des demi-dalles, il m'en manque 1, 2, 3, 4... Non, 4, putain.
fallait juste que j'en fabrique 4 de plus, quoi, c'est tout. Non, je les ai pas fait. Voilà, comme ça j'en ai 24. Et j'ai bien fait parce que j'ai mal compté en plus. Non, il fallait 9. 10, 11, voilà. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Moi j'adore cette vue vers le bas là. Avec les champs, avec l'enclos pour le cheval, avec les cultures en terrasse, comme ça, les sources d'eau, les creepers, ma petite maison temporaire, encore un creeper là. Non, ça commence à avoir de la gueule, hein. Franchement, je commence à apprécier vraiment le coin. Enfin, j'appréciais déjà de base, hein, mais... Ok. Le placement des portes, je le trouve un peu buggé maintenant. Hein. J'ai vu un petit peu sur le wiki qu'ils avaient amélioré, enfin, modifié le placement des portes. Mais au final, c'est pas mieux, c'est pire. Bon, voilà. Ça fait un petit peu comme là-bas, ça fait bizarre, je sais, mais bon, c'est temporaire. Hein. Comme d'habitude, tout le reste est temporaire, et c'est du temporaire qui est définitif. Allez, on va s'atteler à les poser là. Pourquoi je les ai pas posés là, en fait ? Ouais. Voilà. Là, c'est mieux, là, sur le... Ouais, bah oui, c'est mieux. Connard, pourquoi tu n'en as pas fait là-bas ? Oh là 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 là, celui-là, je te jure. Bon, ça permet de voir que ce pont est pratique, hein. Il est grand, il est rapide, il est beau, il est bien. Il reste à finir toute la partie du dessous. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me fabriquer un échafaudage pour travailler ici et puis là-bas. Je vais essayer de faire quelque chose de très joli. Mais je vais pas enregistrer, en fait, la construction de l'échafaudage parce que ça va juste être des blocs de terre. Et ça va être long, chiant, je risque de tomber plusieurs fois, enfin, il n'y a aucun plaisir à filmer ça, quoi. Et certainement aucun plaisir à regarder quelqu'un filmer ça. Parce que là, donc, j'ai fait une voûte, d'ailleurs, je me rends compte que c'est pas du tout symétrique. Oh putain. Je devais être fatigué quand je l'ai fait. Et si on allait voir ce que ça rend, vu d'en bas... Il va falloir que je ramène encore la houe pour refaire un petit peu le champ. D'ailleurs, il va falloir que j'aménage un chemin. Ça devient de plus en plus urgent ici. Je les ai pas posés les portes. Oh putain! Pas grave, on peut y aller par là. Je suis en train de me dire, mais quel con quand même. J'y étais et j'ai pas fait ce que je devais faire. Bon, le fait d'avoir bouclé le chemin comme ça, c'est très pratique. Hein. Je pense que tout le monde en conviendra. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Cela va de soi. Putain, mais... Non, c'est pas normal ces portes là. Alors si j'ai bien compris, en fait, voilà, si on vise le coin là, la porte sera dans le sens là, si on vise le coin là de ce bloc, en fait la porte sera dans le même sens que celle-là, c'est-à-dire comme c'était juste avant. Ça permet en fait de faire des doubles portes bizarroïdes. Moi je trouve pas ça terrible. Alors j'ai vu aussi que les trappes pouvaient tenir toutes seules sans forcément être apposées à un cube. Alors je demande à voir, parce que pour la déco, ça peut être génial. Je pense que je testerai ça dans après cette vidéo, tant que j'y pense. Allez, maintenant on va descendre pour voir ce que ça donne vu d'en bas. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que j'ai posé les portes, à chaque fois j'ai galéré pour les poser dans le bon sens. Hein. Ça veut bien dire qu'ils ont changé quelque chose là-dessus, alors qu'avant il n'y avait pas autant de problèmes, quoi. Là. Bon,
il demande à être fini, hein, comme je vous disais, avec des beaux arches comme ça, et puis comme ça, hop. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour dire que vous avez aimé ou pas. Et puis, on se retrouve dans la suite de cette aventure, de cette construction. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.